Hey le Vélo Gang, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, eh bien, on va rénover un BMX. Un BMX qu'on a trouvé un peu par hasard, c'est-à-dire que on allait au dirt tranquillement comme ça et puis on a trouvé un BMX abandonné comme ça, puis du coup, on s'est décidé de le ramener et de le refaire et vous allez voir dans cette vidéo, on va le démonter et commencer à le refaire. Voici la trouvaille du jour. Mais hey, je te jure, regarde, il y a que le pneu. Un BMX. Il y a deux dans les pneus. Sur une voie ferrée. On l'a trouvé littéralement sur la voie. Hein. Donc, bon. En vrai, il est neuf. En vrai, il y a juste le pneu avant qui est à plat. Le frein marche encore. Faudrait à la limite scier ça. Faudrait à la limite scier ça et foutre un, je sais pas, une selle à la place. Mais vraiment. Mais c'est un truc de selle en plus ça. Non, en vrai, tu reprends le cadre et c'est non, bon. Vraiment. Tu reprends le cadre et c'est repeinture, ouais. Hey, regardez-moi ça. Le convoi exceptionnel. Hey, les gars, ce convoi exceptionnel, incroyable. Vraiment, mais. Il prend le vélo sur lui et il roule. C'est le truc le plus dangereux que j'ai jamais vu. Mathias sous la pluie avec le BMX. Il est toujours là. T'as vu les pots d'échappement? Si on saute un trottoir avec, tu vas voir, il va se casser en deux. Non, mais il y a le pneu qui est dégonflé. Vas-y. Il y a le pneu qui est pété. Hein. C'est pas moi, c'est pas qu'est-ce que tu en penses de ce BMX? Ça file. Le seul truc qui est bien. Ça file? C'est, ouais, le seul truc qui est bien, c'est que tu peux faire des bars. T'as filmé ça? Eh, les mecs, ce flow incroyable! Mathias là vraiment c'est waouh, c'est amazing là, c'est crazy. On a pu regonfler le pneu et du coup ça roule mieux. Bientôt là. Encore et toujours, ça prend du temps mais bon. Ouais. Ah mec, mais c'est approximatif. Oh le bordel, comment il bouge. C'est pas l'enculé. Putain. À la mort. Ça va mal se finir. Bon, du coup, j'ai changé la chambre à air, donc le pneu est regonflé. Hein. Alors après, on peut voir qu'il y a une grosse hernie là. J'ai dû desserrer le frein parce que, ça, en fait, la jante est trop voilée, du coup, ça frotte le frein. Et du coup, on a repris le tube de selle de base, on a un peu tapé dessus pour le faire sortir, on a mis une selle provisoire. Donc voilà, et puis du coup bah on vous retrouve dans quelques jours ou quelques mois pour les prochaines modifications. Du coup bah c'est parti pour poncer le cadre aujourd'hui. Alors après on sait pas si on va réellement réussir à le poncer, mais bon on va essayer. Puisque le cadre est bah en fait il est un peu rouillé, donc on va essayer d'enlever la rouille qu'il y a dessus. On va démonter les roues, on va peut-être démonter la fourche aussi. Et puis je fais une petite timelapse de ça. Bon, on peut faire des bar spin, du coup, on fait du air vélo. Bon, du coup, on a bien démonté, on vous a pas montré, j'ai pas filmé, on a bien démonté le cadre. Enfin, on a bien démonté le cadre, on a bien démonté pas mal de trucs. Donc, on a enlevé le tube de sel, du coup, qui est là-bas. Il est tordu, c'est rouillé à l'intérieur. Je sais pas si vous allez le voir, bon, non. Ça, on sait pas encore comment le démonter, mais on va trouver. Le frein, pareil, on sait pas encore comment démonter, mais on va trouver. Let's go la musique. Et puis, bah, ça, va falloir le démonter avec la fourche parce que c'est mort. La plupart des vis sont rouillées. Sinon, on a un peu avancé sur le ponçage du catch, comme vous pouvez le voir. Donc, nice. Bon. Attention. Ah putain, je reçois du WD-40. Bon, bah, ça démonte, hein, du coup. Alors pourquoi? Pourquoi pourquoi est-ce qu'on prend ça pour couper un câble de frein? Je sais pas. Le vélo gang en fait c'est Wish. Vraiment. Attends que je te rajoute des lance-roquettes dessus. Mec, alors... mais on utilise vraiment. Ah, j'étais non, mais... vraiment, on utilise vraiment une pince coupant. Non en vrai. Oh tu veux pas mais c'est ça ce truc. Oh. C'est la disqueuse en vrai. Ah. Et vraiment c'est professionnel. Voilà. Mais pas autant, alors, mais pas professionnel. C'est du professionnalisme. Eh on l'a enfin enlevé. À votre avis, c'est quoi le nom?
Ça roule le mob 10, semi-scellé ou scellé? Aucune idée. Attends, mais bah enfin, démonté, du coup, manque plus que ce pédalier à la mort et cette chaîne. Mais sinon, bah let's go. On a enfin cassé la chaîne. Alors, faut savoir que la chaîne, on l'a enlevée avec une vis, une pince. Ouais, vraiment, avec rien. Mais bon, enfin, comment ça? C'est la musique de la rue. Ah, je crois que j'ai trouvé. Oh, hey, enfin le pédalier, ouais. Ah, il y a toutes les billes dedans. Les billes, ça doit être sur le roulement, enfin dans le cadre comme mais, ça. Mais waouh, alors on a enfin réussi à l'enlever. Regardez l'intérieur. Moi je dis ça, j'ai rien. C'est dégueulasse. Mais enfin, tous on a réussi. Bon, en attendant, il y en a un qui est prêt. Ça ponce fort là. J'ai un rapport. Eh, vous aussi, vous allez poncer. Ah ouais, vous allez vous abonner, s'il vous plaît, surtout. Non, parce que globalement, actuellement, quand on tourne cette vidéo, on est aux 275 abonnés, donc abonnez-vous pour passer les 300. Ça se trouve, ouais, aux 300. Pour la rémunération, là. Ouais, pour la rémunération, ah, ça se trouve, cette vidéo elle va sortir dans un an parce que le projet va jamais se finir. Ouais, moi, je veux dépasser Squeezie. Allez, let's go, 16 millions d'abos. Mister Beast. Allez, on veut le trophée des 100K. Non, je déconne. Non, déjà, voilà. juste déjà des 1000. La monétisation. Mathias qui jongle avec des bouchons de bouteilles, et bah là du coup on a fini de poncer le cadre, donc vous voyez que bah, le cadre il est bien lisse, même ça c'est bien lisse, et du coup on est allé acheter des bombes de peinture, donc on a pris du bleu et du noir, et du coup on va peindre le cadre en noir et on va essayer, je sais pas qu'on va réussir, on va tenter un petit dégradé de bleu, et puis bah voilà, on va faire une petite timelapse de peinte, ou en tout cas de tentative de peinte, parce qu'on est des putains d'amateurs. Bon, du coup, on a peint aussi le cintre en noir, non. Et franchement, c'est badass. Et là, franchement, on va avoir un résultat plutôt pas mal, hein. Donc voilà, bon, j'ai peint le reste, l'autre côté, en noir. Alors bon, il y a des grosses imperfections, genre là, on peut voir que ça dégouline un peu. Le cadre, de loin, est beau, de proche, c'est dégueulasse, franchement. Mais bon, c'est la première fois qu'on peint un vélo. Du coup, bah là, j'attends que ça sèche et puis je vous retrouve vendredi quand on peindra le cadre en bleu. Donc le bleu, ça va être un bleu à peu près bah, comme ça. Et donc voilà. Oh. Bienvenue sur la suite du projet BMX. Tu vois, on fait comme on ça, va montrer du coup le dégradé de Mathias. Si, regarde, hop, voilà, hop. Incroyable. Mais sur le papier, t'es content mais de t'en dégrader, Mathias. Mathias, ouais. Un dégradé de qualité, on est d'accord. Non, non. Okay, attendez, je vais. Non, mais restez bon ici. Dégradé, là. Restez ici, vous allez voir la surprise. Ah ouais. Bah sinon, je peux vous montrer, on a un peu avancé sur le cadre et les pièces. Donc le cadre, alors là on a remis une petite couche, mais en gros bah en vrai il est plutôt mais, bien. Mais en vrai, sinon on a peint les autres pièces. Après bon c'est approximatif, on n'a jamais fait de peinture, mais ouais, franchement bon ça va, pas mal. Et franchement ton dégradé il est mais il est éclaté. Bon. J'ai jamais vu un truc pareil. Ouais, c'est la chinoise. Bon bah du coup on a fait ça pour éviter de peindre le... Et attends, mec, il faut juste... Mais non mais... Tiens, bah t'as voulu, t'es merde. Eh, moi je le fais, hein. Et voilà. Mais c'est pas de servir tout le monde. Mais mec, mais... Mais faut peindre le cadre, pas le chiffon. Oui, bah je sais, là, oh. Waouh. Incroyable. Un gros pâté. Mais ouais, mais il est dur aussi cette merde. Bah, ouais, c'est quoi au pire? C'est pas le doigt. Oh putain, le couillon.
Et voilà. Bon, alors c'est pas le plus beau. Bah, il manque le dégradé. Mais il manque le dégradé, mais. Ça va cacher les... Voilà en quoi, en ce que ça donne. Petit dégradé des familles, du coup. C'est pas mal le bleu. Et là, du coup, on a fait un genre comme si ça avait été en éclat sur la scène. Et en vrai, le vélo est pas mal. Bon, et bien, c'est la fin de cette première partie sur la rénovation du BMX. Dans la deuxième partie, eh bien, on achètera les pièces et on remontera toutes les pièces neuves sur le BMX et on le roulera. Sur ce, eh bien, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était le Vélo Gang. On se retrouve dimanche prochain, 18h. Tchuss.